Actuellement là, gros crise tension dans pays les États-Unis d'Amérique. Jeudi à même, c'est une journée décisive pour pays États-Unis. Yo doué koné mercredi 6 janvier à là, si Sénat a tombé nan main quand démocratio et déjà candidat démocratio Raphaël avec Hobson tous deux déjà revendiqué victoire en Georgie. Et ceci, nan fin journée, hein, Congrès a doué certifié résultat présidentiel mois novembre qui saute passé à là. Comme nous connaît 3 novembre qui saute passé à là, c'était élection présidentielle aux États-Unis. Donc, gayon ambiance qui vraiment, vraiment chaud aux États-Unis nan moment, plus précisément dans centre Washington, nan, devant Maison Blanche, côté plusieurs milliers partisans Trump, yo même, yo été inattendu et ceci yo réuni ensemble pour yo capable montrer force yo et gen en pile gros tête nan partisan Trump qui tweeté nous gagné yon gros partisan Trump que nous tout capable connaît qui c'est Monica lui-même li gagné 62 ans la vive dans Caroline du Sud li fait connait élection ça c'est une blague donc et ceci si c'est Joe Biden yo mette président tout bon vrai ça capable déclarer yon guerre civile parce que chinois yo a privé sous nous on a suivre comment ça t'a déroulé ensemble avec Voix de l'Amérique n'a tourné talé comme ça. Mesdames, messieurs, bonjour, ici Jacqueline Bélisère pour la Voix de l'Amérique et nous est une situation très compliquée là grand pile vent dans Washington DC. Et grand pile fanatique président Donald Trump qui yon même réuni là et nous connaît aujourd'hui c'est 6 janvier 2021 c'est une date historique mais c'est une date tout qui allait avec constitution pays parce que yon dit 20 janvier 6 janvier avant prestation seulement président et bien 6 janvier ça congrès gagner pour réunir pour certifier votre collège électoral là donc son ambiance de carnaval qui boit ici là. Non, Washington DC est grand pile vent, c'est un monde qui est obligé de kembe très bien pour Noël. Et merci en pile, thank you very much. Trump, Trump, go Trump! Thank you very much. Donc, c'est un monde là qui fanatique Trump et qui dit que yola, il dit parce que il senti que vote va le passer, pouvoir va le passer dans main, yon l'autre main, en mauvais main, il a parlé de Joe Biden avec Kamala Harris. Donc nous connaissons normalement selon loi PIA, c'est à 1h que pral gagner et session ça dans Congrès américain et nous capable voir Congrès dans dôme et donc bah très chauffé par bon ici. Nous capable voir en pile monde, c'est ambiance, c'est pratiquement une ambiance de carnaval qui gagne dans Washington DC et la police et là tout pour contrôler situation donc n'a pas petit gens marché là nous que et gen moun qui vini cap vann et mayo président Donald Trump yo dit fort moyen ça veut dire pour 4 ans encore dans pouvoir donc c'est pour dire nous que situation vraiment spéciale et surtout fait Freddy même si nous que me vinn avec ce même sentiment fret en pile. Donc pour qui ça y a venu, yo voulait que yo changer résultat collège électoral là. Nous connaissons que d'après résultat collège électoral là et président élu c'est Joe Biden qui remporte elle mais fanatique président Donald Trump et président Donald Trump vient pour parler. Dans un petit moment là peut-être que pendant m'a parlé là peut-être et il doit parler mais normalement il était pour te prendre la parole et il était déjà avoir un truc pour bail fanatique au rendez-vous. Dans Washington DC, côté que yo vini, y a fait pratiquement pression pour et pression a fait et dans la rue, la fête dehors et grand pile média qui rapportait que président Donald Trump a fait pression tout sous Mike Pence parce que c'est Mike Pence qui a gagné et en tant que président Sénat et vice-président, lui-même l'a gagné pour le bail résultat et réélection et c'est dernier coup pour tuer, coup quoi, ça veut dire dernier moment qui est dans le cadre processus qui pour déboucher sur prestation de serment 46e président des États-Unis. Donc, tant que nous sommes capables d'être en background, il y a des gens qui viennent à la musique, il y a des gens qui viennent avec drapeau,
Donc m'a petit gens fait nous ambiance là, m'a changé caméra de bon mais qui j'ai en situation est. Donc nous capable monde qui venir avec un pile drapeau. En pile drapeau, regardez drapeau yo. Et nous capable aller plus loin, nous monde qui venir tout cap vendre et maillot, banderole et donc et la police même bloqué ou yo. Ça veut dire même nous même tout qui pour venir dans la voie de l'Amérique, nous obligé faire l'autre route. Et donc une situation très compliquée dans Washington DC, c'est une date nous dit qui historique. Une date qui historique et une date tout qui constitutionnelle parce que d'après constitution pays, d'après loi pays, donc là m'a montré nous tout est drapeau Trump et n'a pas casquette tout capable nous capable casquette yo là et à casquette président Donald Trump. Good morning ma'am. Yeah, donc gen moun ki tout fait business, gen moun k'ap vini avec ki a vini tout avec l'autre objectif. Gen moun ki vini k'ap parle de pandémie coronavirus là, gen moun ki vini nan question religion tout et donc nous un congrès là. Donc d'après la loi, ça si on t'a changé et nan horaire normalement à 1h t'as supposé gen session là. Donc mais ki jan situation est et nous la police bloquée rue nous sommes capables d'aller dans mitan la rue pour nous capables faire ouais la police bloquée rue mais moun tou a vini yo ti j'ai fait touriste et nous capables ouais Lincoln monument là ça nous le crayon pas bon ici haïtien rele le crayon mais c'est parce que le prend en forme en crayon dans Washington et DC donc moun a profité tout faire photo donc tout profiter de ambiance ça pour capable faire autre chose tant qu'on fait touriste local yo vini avec timoun et yo ti jan tout a enseigner timoun yo et patriotisme et autres et y a expliqué tout et pour qui ça que y a supporté président Donald Trump et président Donald Trump lui-même li gen pou le parler et nous connaît que nan niveau élection qui fait dans Georgia tout close to call il peut avoir un résultat final mais nous connaît que démocrates avancent dans direction pour ta contrôler Sénat donc pour ta contrôler ni Sénat ni chambre des députés nous connaît que et si final vote final là c'est que tu as remporté 2 sièges et eh ben yo pral vienne patte pour patte et comme Kamala Harris en tant que vice-président qui pral jouer rôle président Sénat lui-même va gain pour le départager et très naturellement l'a départager en faveur et démocrate. Donc, il fait Freddy dans Washington, il fait Freddy dans Washington DC, mais ça pas empêcher que Mounio yo vini nous on va avancer un petit peu plus pour nous capable un paquet de drapeaux avec tous des objectifs et différents, des fois précis, mais des fois différents. Parce que il y a des gens qui viennent soutenir le président Donald Trump. Et l'objectif, c'est qu'il y a pensé ouais, dans quelle mesure que le Congrès a changé sa décision que le collège électoral l'a pris. Et tant que nous, en pile de monde, pas de masse, en pile de monde, grand pile de gros machines qui débarquent et tout, et qui sont dans notre État, qui viennent. 6 janvier avant prestation serment nouveau président congrès a gagné pour lui venir et lui même confirmer certifié ou bien recompter vote que collège électoral a fait donc nous national mall là côté que en face congrès américain et moun yo continuer à passer moun yo continuer à venir gen vent gen Freddy ça fait que moi même tout me pas prêter trop parce que me pral tout à l'heure donc mes situations un petit peu dans Washington DC donc là moi en face congrès américain moi dans ça relé de National Mall national là côté que eh ben tant qu'on nous dit jodi a pral gen c'est une ambiance de carnaval qui gagnait dans Washington DC côté que moun yo vini pour avec nan objectif pour yo fait que vote que collège électoral la te prend et ben pour changer en faveur président Donald Trump. Nous croyons que c'est la nappe campé
merci pour attention. Nous merci pour fidélité. Nous est-ce que nous te suivre moment live ça pour nous te dire un petit peu ça qui a passé dans Washington DC gain en vent et ça fait que nous avons senti que gain de fois image là on tient secoué. Mais moun yo vini, mais me fait erreur que me pas mettre côte sous moi, me pas mettre gros manteau et mais qui j'en sais drapeau a flotté, banderole et nous pral retourner. Nous allons retourner dans la voie de l'Amérique et qu'on y a nous allons voir comme monde qui vient qui a dit et Joe Biden son monde qui a fait fraude et bam montrer nous lui do you have a statement? Joe Biden is a fraud. Ok. Vous savez dit Joe Biden c'est un la caille nous on seul monde a dit Joe Biden son magouille et ça voulait mettre dans papier là et donc voilà c'est là n'a mette fin dans et petit reportage ça que nous t'a fait live depuis Washington DC. Merci pour attention nous donc nous capable dans tout et aléa qui genre situation est donc nous capable derrière là c'est de Indian Museum et qui tout près la voie de l'Amérique donc merci donc nous quoi nous n'a fait nous font ouais et quelque part est toujours que nous capable voir monde qui vini et nous avons gain marchandise tout monde tout profiter tout y a fait commerce nous avons gain chapeau et président Donald Trump nous avons drapeau nous avons en pile l'autre bagaille donc voilà situation dans Washington DC. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizère. Et moi t'es content yon l'autre fois encore avec nous pour te faire nous bon idée de ça qui a passé jodi dans Washington DC. Faut dire que gen moun ki moi ouais plusieurs côtés me passé qui tout près congrès à côté que moun yo vini avec gros machine qui ka kembe et plus que 100 combien moun yo vini gros machine bien long et pour yo vini nan moment ça. Donc merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizère. Donc pita rendez-vous à 4h nan rendez-vous info pour nous capable. Hey what's up? Hey guys. Donc tout pour ça on cap passer là. Voilà les moun cap parler toujours. Once again rise together and stand in unity behind a man to lead us, behind a man that would encourage us, behind a man that would give us our country back. We thank you, Lord, for Donald Trump. We thank you for what you've done, God. We ask you, Lord God, to bless him and once again to bless this donc great nation. C'est un monde qui a prié là, qui a prié, qui a dit bon Dieu. Qui a dit bon Dieu merci pour président Donald Trump. Il pensait que président Donald Trump te menait nous, menait pays à un gros côté, donc il priait et président Donald Trump. Donc ça veut dire que nous avons tout courant qui gagne dans Jodia, dans tout le monde qui là et courant religieux tout, il y a monde qui religieux et qui a poussé président Donald Trump. Nous allons essayer de garder l'autre tech, l'autre image encore et on regarder. Nous voyons qu'il y a vendu tout et nous voyons par exemple nous capable acheter t-shirt pour $20, jacket $40. Donc nous ouais c'est pas seulement fanatique. Let us pray together again. Yeah. We don't ever get too much prayer. Yeah, Father Lord, we thank you today for the patriots that are gathering together in Washington D.C. Lord, we ask for your will to be done in the Senate today. God, we pray, Lord, that those who have come with a made-up mind, Lord, we pray, God, that they would have a boldness, Lord, and that you would give them favor with their constituents. Lord, those who oppose this, we pray, God, that they themselves would find opposement. God, we pray, Lord, for your will and your blessing upon America and upon our president. Lord, we ask that you would shut the mouth of the lions and strengthen the wings of the eagle. In the name of Jesus, we pray. We believe it done and we count it done. And we're going to pray amen and not a woman in Jesus' name. Voilà, c'était yo l'autre mon encore qui a prié pour président.
et il dit pour le président PIA, Donald Trump. Donc voilà. Yes, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est comme ça situation est. Dans le pays, les États-Unis, dans le moment, donc, restez connectés ensemble avec nous, parce que t'as l'air comme ça, faut que le Congrès a lui-même certifié résultat présidentiel novembre qui saute passé à la victoire de Joe Biden. Restez connectés ensemble avec nous, parce que t'as l'air comme ça, n'a pas retourné pour toute information nationale et internationale qui a fait actualité pour journée jodia. Non pas M. Foucault, moi t'es content pour tes flash ça pour nous. Moi, remets-nous en pile, passez un bon moment. Bravo, papa, bonjour. N'a pas croisé t'aller comme ça. Ciao, ciao.